Bonjour les filles, voilà, je vous tourne cette vidéo aujourd'hui sur mes hauls de mes derniers achats de magasins et d'internet. Nous commençons par le livre de Nabila que j'ai eu sur Amazon pour 16,50 €. Le titre c'est Trop vite. Je suis en pleine lecture, mais franchement, il vaut vraiment le détour. J'ai fait une petite trouvaille à Aldi sur une bouteille de beurre liquide qui est liquide de 445 millilitres. Et franchement, pour 1,45 €, ça vaut vraiment le détour. J'ai trouvé en opportunité pareil à Aldi. Pour celles que ça intéresse, qui ont des petits, il y a un tube de tomato, ketchup et mayonnaise, deux en un, pour 99 centimes. À Noz, la dernière fois, moi et mes filles, on a trouvé des pots en gobelet de glace Monster Height à la vanille fraise. Donc maintenant, ils s'en servent en guise de gobelet pour boire. À Carrefour, le grand Carrefour, on a trouvé des Mon Savon au lait qui est pêche et mangue et ça vaut vraiment le détour. L'odeur, elle est somptueuse et ça lave très très bien. Et l'odeur, même après le lavage, est toujours là. Mon dernier achat que j'ai reçu d'ailleurs hier, c'est tous mes nouveaux pinceaux en forme ovale. Si vous voulez une petite revue là-dessus, vous me le dites en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous tourner cette vidéo-là. J'en ai 10 pour 9 €. C'est des dupes. Petit aparté que j'avais dit à une vidéo précédente. C'était la canette que j'avais eue à Noz de la marque Charlys au Lemon, Limon et Menthe. C'est de la limonade. Mon mari, il a adoré. Et c'était 69 centimes. Voilà, le petit aparté est refermé. Nous allons vous montrer aussi mon fond de teint que j'ai eu à Sephora sur le site, je l'avais commandé. C'est le fond de teint Too Faced, la teinte Vanilla, et qui se présente comme ceci. Packaging, il est en vert et franchement très beau. Et la teinte, elle me correspond tout à fait. Qu'à tester pour cet hiver et je vous en referai une revue dessus pour 40 €. Un fond de teint zéro défaut, 14 heures, une peau parfaite de chez Yves Rocher. Je l'ai eu en cadeau. Un gel douche, une crème de douche, pardon, noix de coco de chez Action. Je me souviens plus du prix. Je crois que c'était 99 centimes. Je suis pas sûre. Une crème de jour nourrissante. C'est Mon Lait d'Ânesse, So Bio. Franchement, à tester, mais au lait d'Ânesse, c'est une pure merveille. La crème de jour de la marque Avril, certifiée bio, à l'huile de noyau d'abricot, bio aussi. C'est pour peau sèche et sensible. À tester. Une petite fleur de douche en forme de pétale ou de papillon, peu importe. 65 centimes à Noz. C'est une marque chinoise qui est à Noz.
Crème de corps Cacharel, à mort, une pure merveille. Je suis en plein test dessus. Je vous en reparlerai dans une proche dans mes produits finis. Une lotion tonique de chez Sephora, de la marque Sephora, de la gamme. Même très tonique. Et je suis en plein test dessus. C'est au gingembre extra. Extract. Et je suis en plein test dessus. Je vous en reparlerai sur mes produits finis. Un masque à la mangue et fleur de tiare ultra doux de chez Garnier. Je l'ai eu à Lidl. Je suis en plein test aussi dessus. Des lingettes démaquillantes pour quand j'ai un petit peu la flemme de me démaquiller au lait. Je prends des lingettes démaquillantes et ça, c'est la gamme de la marque Carrefour. Ça fait visage, lèvres et yeux. J'ai trouvé une palette Max & More à Action de contouring. À tester prochainement. Les teintes, elles sont comme ceci. Et je vais vous faire un petit swatch. Voilà, pigmentation pas de ouf. Mais à tester. Un lot de coton démaquillant, 3 paquets de 70 lingettes, 70 disques, pardon, de la marque Carrefour, à tester. Des doudous pour mes enfants de 4 ans et 7 ans. Comme ma fille de 7 ans a été percée les oreilles pour son anniversaire, on avait eu un moins 20% sur des peluches, donc comme elle s'était percée les oreilles. Donc j'en ai profité pour leur prendre un petit doudou mutuellement aux deux. Donc ceci, c'est la peluche de ma fille de 4 ans. Elle l'adore, elle s'en passe plus. Et de ma fille de 7 ans qui a eu ce doudou-là à moins 20% aussi. Et elle voulait multicolore comme ses boucles d'oreilles. Et mon dernier achat. Sur un site Wix d'internet, j'ai trouvé mes bottes que je cherchais depuis un an en forme de moumoute et franchement elles sont très bien et à l'intérieur ils font même des semelles qu'on doit rajouter hivernales aussi et franchement top 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 voilà elles sont comme ceci pour 12 euros. Bon, voilà les filles, sur mes achats en plusieurs fois, bien sûr. Je vous laisse sur ceci. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en vidéo, en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'oubliez pas un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis les petits bons plans aussi. Pour les nouveaux abonnés, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye!